Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, on va essayer de reprendre Baldur. Le jeu a été patché suite à pas mal de lags qu'il y avait eu lors de la dernière mise à jour, donc forcément ça va être un peu le bazar, ça va être un peu compliqué. Je vais en profiter pour rejoindre. Sélectionne la fonction. Bon, il y a Cursatine qui cherche sur son PC, mais comme ça vous saurez ce qu'il fait. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis là, hein, en attente que l'autre accepte votre demande pour rejoindre la partie. Déjà fait. Ça change. Ah bah ouais, mais je suis toujours en attente. J'attends Alou, là. Ok, mais... parce que moi je peux pas, là. Je suis bloqué. En tout cas, bah peut-être parce que Cyrdan il est en train de charger, non? Je sais pas. Mais je suis en jeu là, clairement. Je vois que j'ai mon personnage et tout. Mais je suis en attente. Et Alou, elle fait quoi? J'en sais rien. Nanana. Ah oui. Ça, du coup là. J'ai une RTX 2070. J'ai fait une bêtise. De quoi? J'ai cliqué sur une croix en pensant fermer ma fenêtre, je crois que j'ai expulsé la loup sans le vouloir. Oui. Encore? Du coup, Cyrdan, ouais, toi tu peux pas bouger là en in-game. Si. Bah, moi je suis marqué en attente que l'hôte accepte votre demande pour rejoindre la partie. Toujours. T'es dans la partie. Faut que tu quittes et tu reviennes. Ok, annulé. Ah non, mais j'ai fait annuler, je suis quand même en jeu. Okay. Et tu peux déplacer? Oui, regarde. Moi je me vois tous les deux bouger. En direct, y a pas de lag, tout va bien. Oh, on avait pris une claque! Ah! Quoi? Ouais. Mis... Le marquage des faibles. L'entité affectée est vulnérable aux T4 tranchants. Ah, toi aussi t'as ça? Ouais, parce que. Ah non, moi j'ai pari risqué. J'ai transfusion de santé aussi. Je pense que c'est parce que oui, j'ai l'amulette de marquage. Vous sacrifiez la moitié de vos points de vie restants pour soigner la cible du même quantité de points de vie. Ah ouais, d'accord. Un joueur a rejoint la session. Oui, c'est bon. J'ai aussi le truc qui rend vulnérable, donc il se fait prendre double dégâts à tout. Mais à chaque fois que t'attaques, tu gagnes 2d8 de vie. Donc en vrai, sur un boss, ça peut être bien s'il prend double dégâts de toutes les sources. On a encore des repos courts? Ah oui, on a encore des repos courts, hein, te fais pas chier. Mais là, c'est qu'il faut qu'on recommence la... Tu sais, les dialogues qu'on avait fait, qu'on s'arrêtait. Ouf, je sais plus. Il y a le forgeron, qui est un peu plus haut. Ah oui, oui. Et il y a le discours. Ah oui, on lui avait fait une armure, c'est ça? Des bouts d'armure? Pour Cyrdan. Oui. Ou toi, je sais plus. Ah oui, Cyrdan, parce qu'il y a que lui qui peut porter du lourd. Moi, j'ai de l'armure légère. Je crois que c'est intermédiaire, je suis pas sûr. On va vérifier, je me souviens plus. Mais du coup, ouais, plutôt que gaspiller tes spell slots, on peut faire un repos court pour se healer. Non, mais on verra, on va faire les quelques dialogues. Déjà, faut qu'elle ou elle arrive. Pas si elle a pu charger. Comment ça, on est en dégâts non létaux? On avait essayé de sauver le monsieur, en fait, je crois, qui était possédé, non? Peut-être. Alou nous entend, mais elle est toujours mute. Hey, bon, bah, tu veux parler au forgeron, du coup, Cyrdan? Ouais, je vais. Qu-
pourquoi je suis monté sur cette boîte. Avec toujours un lag pour réel dialogue. Ouais, il y a un léger lag, mais c'est pas... T'attends pas 10 secondes. Oh, il y a un tonneau d'huile. Je sais pas, moi, pour l'instant, le dialogue est pas lancé de mon côté. Moi non plus, j'ai cliqué dessus. J'ai aussi ma perspicacité. C'est peut-être ta partie... Parce que moi, j'ai joué avec quelqu'un d'autre et j'ai aucun problème dans la même section, hein, si tu veux savoir. Non, mais c'est possible, ah, ma connexion. Hein. Peut-être la possible. Même... Ça se trouve, Steam... Est-ce que Steam a lancé des mises à jour? D'ailleurs, je tiens à dire que le buff étrange est toujours là. Hein. Sauf qu'il a gagné v'là les points de vie. And if you find any interesting materials in need of working, I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But no one has earned my trust, if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I make something incredible. Alors, du coup, j'en ai plus sur moi. Ah si, j'en ai deux. J'ai quand même de voir que l'entrée du camp est minée. Oui, il y a des entrées qui sont minées. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sheridan? Ah, c'est ma sortie du dialogue, j'ai pas eu le temps de lui dire que j'en avais trouvé, du coup j'étais obligé de refaire le dialogue. T'arrives, skip. Et surtout, faut pas qu'on prenne la sortie où il y a des mines, parce que les mines elles sont armées pour nous. Enfin, nous affecter. Oui, oui. Oui, voilà, c'est des pièges à ours de ce que je vois. Ouais. Par contre, c'est moi où je vois une tifline aussi en bas de la colline qu'on avait pas remarqué là. En bas de la colline. S'appelle en bas de la colline. Là, près de là où il y a les mines, regarde en dessous du pont. Ah oui, enfin, elle fait partie du convoi, oui, mais. Elle dit qu'est-ce que je vais devenir. Mais ça vaut la peine de s'y intéresser, et vu qu'elle est étrangement près de la faille. On l'a vu, on l'a déjà rencontré ce personnage dans le bosquet. C'est pas celle-ci qui parlait d'un chat ou je sais pas quoi avec son mari? Mais elle était pas toute seule. Ouais, Bex. Bah pour moi c'était celle-ci qui était avec son ami justement, enfin mari pardon. Oui. Tu as pu faire toutes tes emplettes mon ami? Juste faire du coup le casque et. Et lui et tout son fer infernal. Et le deux du coup. Vous en avez pas vous? Plus. Non, je crois pas avoir. Moi j'ai que des pièces spirituelles. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a des pièces, mais pas des. Des morceaux de métal. On en a peut-être dans ce chapitre, hein. Peut-être. Bon. Bah, du coup. Dans l'auberge. Voir la dame qu'on vient d'apercevoir ou. Est-ce qu'on fait pas un repos? Un repos court, oui, tu peux. Parler d'abord à Jaira, puis après claquer un repos. Ah oui, c'est vrai, il y avait le dialogue de Jaira. Ah oui. Vas-y. Mais repos court, si tu veux, vas-y. Je le ferai après. Normalement, on craint rien. Ok. Quel ours? En rentrant dans l'auberge. Ah oui, ils sont brogueules, les cruels. Il y a un test de nature. Bon, en examinant, je vois rien de spécial. Si, ben, moi j'ai eu une ligne de dialogue. Non, premium
trinkets and doodles. Tuldar, il a réussi par exemple son test. Don't wander far. We need to talk. Believe it. His territory would have shot to Cloakwood. It took half an army to drive. Je vais parler à la dame. How did he end up here, please? La vieille dame. Welcome. Have a drink. To your very good health. On avait j'adore Roublard plus perspicacité. Genre BAM oh, avec un 6. Incroyable. Hein, ils ont fixé ça. Ils ont fixé le fait qu'on voit tes lancers. C'est-à-dire tu les vois tout le temps, tu dis? Bah non, 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 c'est bon, maintenant on les voit. Parce qu'avant, genre des fois, on voyait pas les lancers des autres. Ça dépendait des moments. T'as pas tous une lame ou une arbalète en arme de prédilection. Sagesse, j'aurais pas un gros bonus. Oh, c'est que 6. J'ai pas un gros bonus, mais j'ai un avantage. Oh, je fais un échec critique, hein. Fait... ouais, mais avantage, donc... Ah bah, heureusement pour moi. Ça aurait pu être... Non, non, mais c'est des clous de girofle. C'est bon, t'as un bleu sous la lèvre. Ouais, oui, parce qu'on est blessé. J'ai perdu quelques points de vie. C'est pour ça. Génial. Je sais pas si t'as remarqué, quand t'es au bord de la mort, t'as des bleus de partout sur la gueule. Ouais, j'ai jamais fait gaffe. Allez. Non, mais ça laisse le sujet paralysé. Quoi que vienne après, je vais te mettre sur tes propres deux pieds. Critique, j'en avais que deux. Le peuple a parlé. Bottoms up. La pépé d'Alou. Y'a même pas un check pour faire semblant de boire le vin? Non. Non. Enfin, pas sur ce jeu d'ordre. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. Ils ont quand même gardé son accent original en anglais. Alien. Accent un peu russe. Ouais, elle a toujours eu un accent bizarre, moitié rue, moitié de l'Est. Non, 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 mais moi, les larmes, ça me fait absolument rien, hein, une larme dans mon crâne. And you're certain you will continue to resist? Ah, c'est bien, c'est que le jeu ne te force pas à répondre en mode genre oui, t'es sous l'emprise, tu peux pas mentir quoi. Bon, c'est toi qui choisis ta vérité. À moi ou ma larve? Vous parlez à qui? Oh, pour le peu d'honneur qu'on a. Good. Bon, ça va, on est plutôt déjà honorable jusqu'à... Ah oui. Bon, après, on a une kit dans le groupe, mais bon. Je profite qu'il puisse pas répondre pour dire ça. Elle a quand même dit people like you, hein. Mmh. Merci, hein. Parce qu'elle a parlé des gens, effectivement. Oui, je sais, mais... Ah bah merci, alors racisme. Only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. General Gatherick Thorne. Ah, sacré Gatherick. On entend beaucoup parler de lui, hein. Ouais. Je sais pas si t'en entends parler dans les vieux jeux. Encore quelqu'un de char. Alors c'est sûr, t'entends parler de lui pour dans un autre jeu. Ah, t'entends parler de Catrick. Mais c'est pas encore un général du coup. Bah c'est déjà un personnage important. Parce que mais il me semble que dans Donjons et Dragons, tu peux en entendre parler assez facilement. Ah, c'est un habitant de Baldur. C'est pas vraiment un habitant de Baldur, mais c'est un cultiste de char assez. Encore char. Quoi?
and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Ah ouais, c'est-à-dire, on est dans la merde, hein. Not immediately. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Getherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Yes, yes. Est-ce que ensemble ça veut dire nous ou tous, j'imagine. Est-ce que tu sais, c'est le genre de jeu où c'est ensemble mais c'est toi qui fais tout le boulot? Tu vois ce que je veux dire? Et ils arrivent quand t'as tout nettoyé. C'est la réponse de Git, quoi. Mmh. Oh là 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 là. Non mais je le sens venir à des kilomètres, hein, le fait que. Ensemble, singe fort. C'est ça. Elle a dit qu'on était nés pour cette mission. Génial. Je me sens utile. Oh, par contre, l'OST dans le fond, il est magnifique, hein. Whatever magic Gatherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Mes parents, ils m'ont pas fait pour ça. Hein. je peux le dire. Hein. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful plague of Siluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Petite question, vu que Ombrecoeur est une prêtre, enfin prêtresse ou je sais plus quoi de char, et est-ce que le fait de débarquer avec elle, elle se fait pas directement menacer elle aussi? Non. Non, mais elle est parce pas... qu'en gros, si j'ai bien compris, ouais. Elle est pas hyper d'accord de se faire aider par quelqu'un de. Oui, non, parce que en fait, si j'ai bien compris, la région, c'est un turbo-cultiste de char qui utilise l'absolu. Donc voilà. En fait, c'est un ancien cultiste. Enfin, c'est à la base, c'est un cultiste de char, mais. D'ailleurs, oui, qui veut aller parler à ce connard là-bas? Ah, Raphaël? Tu es quelqu'un qui oui. J'irai ouvrir les quêtes à droite avec Alou après, si vous voulez. Vas-y, bah, Curso, si tu veux aller parler à Raphaël. Non, mais je laisse notre paladin parler au démon. Ça lui est placé, hein. Avec sa grosse massue. Sa massue qui vibre d'énergie radiant. Mais bien grosse. D'ailleurs, ça fait quoi si tu leur piques le jeu d'échecs? Genre, si tu le mets dans la poche. Enfin, de la partie, elle a fini. Kalim Shan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the knight goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Siric. Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, chief. Say. J'aurais pu me débrouiller tout seul. Playing. The keen gleam in Mol's eyes reveals the lie. She knows the game well. And she wants to win. Oui, Mol, c'est une fille. Je pensais pas. Oui, non, mais je pensais pas que c'était une. Ça avait pas vraiment l'air d'une fille ou d'un homme. You should be more careful who you listen to. Retreat. Begets regret. J'ai eu un choix que pour continuer. Ah ouais, moi j'ai eu tes choix, mais ils ont vite disparu. Ouais, moi j'avais juste continué. Ok, bah Nick. Hells, thought I had you. They always do. You came close though. All you needed was a dash more courage. Ah oui, d'accord, ça a choisi pour moi en fait.
Tu sais pas, mais là c'est le vert dans ton crâne qu'a choisi. Bah ouais, c'est chiant. Parce que moi, genre, dans ma partie, j'avais un choix plus intéressant, quoi. Oui. Oula, Raphaël, petit côté Epstein. Plutôt un côté faire des pactes. Oui, non, mais sa phrase. Ah, là, je vois mes choix, c'est bon. J'aurais mis le premier aussi. Au revoir. Comment? Avec un grand J. Un grand J. It goes without saying, she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend. Oui, j'adore ce personnage. Well, there's my il a toujours, il a des super textes. Ouais. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de lui mettre une tarte, mais monumentale. Il est génial, il est beaucoup plus subtil que juste. Oui, je sais, mais je te jure. It's all out there, waiting to be discovered. C'est vrai que quand tu fouilles toute la région, c'est assez intéressant. If you just dig a little deeper. She lost. She is lost. It's only a matter of time before the apple is plucked. Predator. Enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye. Oh, les yeux du Drakeïde, c'est une dingue. You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Bah, c'est sympa. Laissez-moi tranquille, rejetons les enfers. Attendez dans le trou qui vous a fait naître. Je vais pas trop être agressif avec lui. On sait jamais. Oh, je crois qu'il a l'habitude de se faire insulter. Hein. Oui, c'est pas faux. Little voice inside of you asking, is this my volonté qui parle or bien votre larme? But you have no answer. C'est que ce con, il a. Il a pas tort. The good thing is, though, c'est nous. One little voice you really should. Comme le cerveau. To. Mine. Mine. Ah, oui, bien sûr. T'es la solution à tous nos problèmes. Plaisir. Évidemment. Ah, il a emporté le jeu d'échecs. Ouais. Le salaud. Je vais parler au conseiller du point enflammé. Oui, vas-y. Oh, il y a le chat, sa majesté. Oui, je peux communiquer avec. Oui, j'ai un parchemin de communication avec les animaux. Ben, je vais essayer de parler au chat. Faut que je retrouve mon parchemin. Ah. Ah non, c'est. Ah, c'est une potion de communication avec les animaux. J'attends que t'aies fini ton dialogue. Isabelle a cleared this place and he just appeared. We think he's staying at the. Ah oui, la noble. Which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Cleric of Saluna. She's got a room upstairs if you want to meet her. Just don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow free. Elle est venue avec qui, du coup? Ouais. Et en fait, ils cherchaient le Grand-Duc. On les a rencontrés à l'auberge enflammée dans le bosquet. Oui. Mais...
Ils ont croisé en fait un type qui visiblement est censé être mort depuis au moins un siècle, mais prisonnier d'une malédiction, il est sur le lit à côté. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. Le seigneur Gortash. Oh non, pas lui. A counselor with considerable influence on Baldurian industry and politics. Ah bah oui, oui, forcément, hein, on le rencontre pas que dans Baldur 3. Ah. Il y a vraiment les pires qui ont survécu en fait, sauf Jaehaera peut-être. C'est lui qui a créé la garde d'Acier. Aux anciens Baldur. Ah, bah oui, oui. Et dans les anciens Baldur, je sais plus, Gortash, on le voit, enfin, on en entend parler, mais... Ah, quoi, est-ce que c'est de lui qu'on entend parler? Je sais plus. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower, whatever Kethric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best. But there's every chance I'll fall to the curse of all the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaehaera. That harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Évidemment. Oh, oh bah putain, il a foutu le camp, sa majesté, il est où? Attends, non, parce qu'il faut que je parle à l'autre coco. Et qui est KO sur sa... Artkular. Kulag, Kular. Je sais pas comment ça se prononce. Artkular. Artkular. Ah oui. That's your name, isn't it? Oula. Artkular. Catatonique. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over ever since we found him. On n'a pas un sortilège protection du mal compte bien ou rétablissement? Non, c'est quelque chose... Not till I met R, anyway. C'est quelque chose de plus profond. Seems to be all he remembers. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now. But he held on to it for 100 years anyway. Thank you. Ouais, je sais déjà un peu comment gérer la quête, mais... Reviens par ici, le chat! Intimidation! Pourquoi tu t'énerves? Tout du petit chat. Ah, ça check, hein, pour un chat. I'll allow it. Ah oui. Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. Cleric. I slinked, of course. You've had enough. Admirer. Go. Quickly. Yes. Bon, ok. Il y a du lait, je crois, quelque part, non? Oui, tu peux trouver.
Tu crois que tu peux lui donner du lait? Je sais pas. Bure en bois, arbalète de poing. Ou une potion d'invisibilité. À moi. Pourquoi je peux pas la prendre? Ça lag parce que j'ai voulu lancer un dialogue. Ah oui. Ceres, scout. Seems we missed one another at the grove, but the others told me how you helped. Tu parles à qui? Ah, you pulled them from one death trap only for me to land them in this one. Gone. And more than half the others with him. We were ambushed out in the cursed lands. Ça bug toujours au niveau des dialogues. Conscious of this absolute. Several froze, begged us to surrender, but they were toying with us. Making examples, and we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them, maybe the curse. Ush. C'est qui a mis ça? Oh, Zevlor, il va pas se laisser tuer comme ça, quand même. It didn't save him. Lou, elle est RP dans sa réponse. A little sense will serve us better, I think. Barbare. But thanks. It was sweet of you to try. Ça m'étonnerait qu'il soit fait tuer comme ça, Zevlor, quand même. Oh, une potion de soin majeur. Ah non, c'est un livre pour les potions de soin majeur. Peut-être qu'on peut savoir comment les craft. Un parchemin de projectiles magiques. Comment ça, impossible à atteindre? Je peux pas atteindre des... Arrête d'essayer de voler des trucs, toi. Pas voler, je veux consulter comment faire des potions de soins majeurs. Regarde le livre au-dessus de moi. Là. Ouais, y'a un dialogue. Ah. I still can't believe it. The cultists. The screams. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Roland, c'est qui de nouveau? Roland, c'est le mage. C'est le mage. Ah oui, ouais, c'est ce que je veux dire, le mage Tiflin, avec sa bande. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't... taking it so well. Ça veut dire que ça a des conséquences de leur dire de rester pour se battre ou de se barrer par eux-mêmes. Ouais, mais il y a des conséquences qui sont très longues. Hein. Oui, non, mais je savais pas que ça influait le départ des Tiflins aussi, le fait de leur dire de se rester pour battre. Quoique les gobelins. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And God have mercy on anyone in that hell. On va les sauver. Oh, serment de dévotion. Ah. Mon jeu a crash. Ah. Oh, fuck. Chiant parce que c'est toi qui as le dialogue. Ouais, serment de dévotion, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour les sauver. Juste avant que je clique dessus, le jeu a complètement crash. Il s'est éteint tout seul. C'est bon, du coup, vu que t'as quitté, j'ai récupéré le personnage. Ça a relancé le dialogue, j'ai pu faire le choix. J'essaye de lancer. Bon, ça a fini le dialogue, mais... Je cherche le lait. Je vais chercher... Là. Ah bah ça a crash chez moi aussi. Non ? Oh non. Non. Je vais juste faire retour bureau. Parce que j'ai eu un écran noir et ça a quitté la fenêtre, j'ai eu un peu peur. Ah. Eh ben dis donc. Oh, il y a le registre des clients. Is that blood? No, never mind. Attends, ils ont un registre. Cursa, si tu vas à l'étage, rentre pas dans la chambre du coup de Isabelle. Ça va faire avancer l'histoire, si on faut prendre le temps d'explorer le lieu. Ouais, faudra qu'on prenne des potions pour récupérer notre dernier point de vie. Oh, il faisait partie des clients Art Kelag. J'ai le registre des clients de l'auberge. Ouais, mais il a plus d'un siècle en fait. Mmh.
Attends, je vais le garder sous la main parce que si on rencontre des mecs vieux de plus de 100 ans, ça peut peut-être aider pour l'enquête. La cassette de l'auberger, je peux le déverrouiller. T'es comme ça, toi. Bah, c'est pas du vol, donc. J'ai encore fait un échec critique, heureusement que j'ai des avantages. Journal de l'aubergiste. Ah. J'attends que notre cher Sirden soit. J'arrive. Le lag se fait sentir effectivement. C'est imminent. Non, c'est parce que ça charge mon perso. Salle de couverture de mon hôtel. C'est bon, je suis là. I'm back. Ouais, c'est bon. I'm back. Je peux parler à Roland du coup. Yes. Roland, oui. Roland. Ça, c'est le jeu traduit en français, tu sais. Les doubleurs qui font Roland. Jaera. As-tu le cœur pur, Roland? Oh, il y a un chapelet de saucisses sèches. Une belle de saucisses. T'as cliqué sur le dialogue, j'imagine. Oui. Ouais, parce qu'il y a eu un petit. Ouf, ah oui, d'accord. On est paralysé. Hein. Non. Non, comment mais ouais, ça a remis un grand coup de lag. Ah, j'ai l'impression que c'est le premier dialogue de. C'est pareil tout à l'heure avec le forgeron, et après les dialogues s'ouvraient plus vite. Ouais, mais là. T'as un dialogue là ouais, non, là, c'est bon. C'est beaucoup de temps. Then piss off and leave me alone. Ils ont pas tout fixe en tout cas. Hein. Je pense que c'est la co, hein, parce que je t'ai dit, j'ai joué avec une autre personne au même endroit du chapitre sur une autre partie, c'était fluide de fou. Hein. Peut-être que c'est ma connexion, hein, je. Je ne saurais te dire, mon cher ami. Il est en train de se bourrer la gueule. Mais. Maybe she'll write a ballad about me. On voit pas tes choix de dialogue. J'ai pas de choix de dialogue. Il a les yeux fermés et. Ah! Bah, j'ai quitté. C'est awkward là le truc où on est figé. Hein. Il a arrêté de boire, il cligne des yeux, t'es derrière et il se prend de la poussière sur la gueule. Ah oui, conséquence pour le coup. Arrête de chialer alors. Bon, c'est pas mon rôle de dire ça. I'll fix this. Comme si je pouvais. Bien Roland. Du coup, moi, si ça vous dérange pas, je vais aller parler à la dame qui est un peu éloignée. Ça. En dehors. Hein? Où ça? Bah, qu'on a vu en dessous du pont. Il va parler que je t'avais pingé près des pièges. Parce que bon, c'est pas qu'elle se tient un peu trop près de la barrière, mais c'est inquiétant. Bah, elle était là. Elle est où maintenant? Elle peut se déplacer. Hein. Ah. Ouais.
Elle s'est pas fait kidnapper par les ombres, quand même. Non. Ah, mais faut juste la chercher. Ah oui, mais je... Je cherche. Ah, non, elle est réapparue. Pex. Quand ça voudra bien charger. Tu contrôles le perso d'Alou ou je vois que... Ah non. C'est une impression. Ok. J'ai cru que j'avais vu disparaître l'icône à côté de son portrait. Ouais. Bon bah, je sais pas combien de temps ça va prendre. Longtemps, j'ai l'impression. J'ai pas de ping en plus, j'ai vérifié. C'est... Et tu uploads rien Ah non. Enfin, l'enregistrement, ça me prend juste du processeur, pas de la co. Ouais, je sais pas, c'est venu avec le... En plus, le dialogue de... Ça a lagué après ton crash en soi. Ouais. Mon dieu! Ouais. Bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut lui parler, parce que là, ça va faire presque 2 minutes hein, que j'ai essayé d'initier le dialogue. Moi j'y arrive pas, c'est quelqu'un de vous. Non, mais je... Ah, je crois que ça va se lancer, j'ai plus accès à mes sorts. Fait griser. N'importe quand maintenant. Hein. En plus, je vois que Cyrdan il a sa bénédiction, puis il l'a plus. Oui, j'ai pris une potion. Une potion. Oui, pour finir, aller récupérer mes points de vie. Ça n'est pas tous à fond. Eh ben, dis donc. Bon, faites ce que vous avez à faire en attendant. Hein. Je vous le dis quand le dialogue est lancé. Hein. Bon, on n'a pas grand chose à faire en fait. Après, il faut parler à Isobel. Ah oui. Après, on peut. La prêtresse de Célune. De toute façon, moi je suis coincé, hein. Je peux pas bouger là. Oui. Là, je suis coincé, je suis en instance de dialogue. Enfin, apparemment. En fait, vu que ton dialogue se lance pas, ben. Pas rien faire. Oui, voilà, mais il se lance, mais sans se lancer, parce qu'en fait, il est à l'étape où tu sais, tu peux plus interagir avec tes sorts ou autre. Appuie sur espace au cas où. Je le fais. Ça me fait rien. Ah. Le personnage, j'ai utilisé sauter. Mais je suis suspendu dans le vide. What the fuck? Et t'as la fibre pourtant, non? Ah. Et t'es fibré. En tout cas, mon personnage a pu se mouvoir. Je pense que la prochaine fois, genre, tu peux m'envoyer la sauvegarde et puis. Et tu dois pouvoir enregistrer la partie. Ah ouais. Sauvegarder, non? Je peux pas, j'ai pas le bouton sauvegarder. Ouais, c'est pas comme certains d'autres de leurs jeux où tu pouvais avoir une partie de la sauvegarde. Ah, Alou, elle a crash. Ouais, Alou a crash. Hein? Moi aussi? Pour ça... Non, c'est peut-être pour ça aussi que ça ne devait pas lancer le dialogue parce qu'Alou avait crash. J'ai pas crash, Mais il y a marqué que tu t'es connecté à Baldur sur Steam. Ouais. Bah non, je suis là depuis le début. Hein. Oui, c'est pas ça, mais c'est que nous, on vient d'avoir la notification que tu viens de lancer le jeu en fait. C'est pour ça, moi je pensais que t'avais crash et que tu revenais. Je suis coincé en limbo. Non, pas du tout. Ça marche. Tu vas perdre ton personnage. Moi? C'est nos personnages juste pour voir si ça affecte. Là, pour l'instant, j'ai rien. Je vois Cyrdan se déplacer vers moi là. Je peux rien faire avec. Bah oui, parce que je suis en instance de dialogue en fait. Radical. Tu veux me tège. Ah non, j'ai le dialogue. Oh non, c'est sérieux. Tu vas pas kick. Non, je t'ai pas kick, j'ai inversé nos personnages.
Normalement, tu l'arrives. Qui êtes-vous? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Et du coup, j'avais voulu recharger la partie, et au moment où j'ai cliqué sur charger, tu dis que ça a débloqué le dialogue. Ah bah, le dialogue s'est lancé, mais je spam mon choix. Oui, non, mais tu peux rien faire. Mais... Logiquement, ça aurait dû chuter et redémarrer une. Ouais, parce que là, j'essaie de spam mon choix et je suis bloqué dans le tri-choix de dialogue. Vous allez vous faire kick, non? Oui. Enfin, tu m'envoies un oui transfer. Je vais essayer de host, pour, si ça vous dérange pas, j'essaierai de host pour la prochaine fois. Ouais. Je veux être libre. Effectivement. Pourtant, ça, on n'a jamais eu de problème de connexion en plus avant, c'est ça qui est dommage. Bah non, pas autant quoi. On avait des petits délais avec certains dialogues, mais pas à ce niveau là. Depuis les deux dernières mises à jour, en tout cas, c'est pas possible. Allez, je le dis. Ouais, faudra juste nous donner du coup un nouveau code. Obtenu. Coubidoubidou, où est la radio? Je vous kick pas tous. Merci, c'est trop sympa. Ce serait que Cursa. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Ok. Ah, c'était ça a rechargé avant qu'on prenne le. J'avais fait le dialogue avec Jaira et oui. Il y a tous les petits dialogues secondaires à faire, mais vous pouvez les faire et puis je. On avait fait le dialogue du coup, enfin quand tu dis secondaire. On fait le dialogue de Jaira et c'est tout. Faire les différents petits dialogues. Ah oui, avec Arthur et tout. Oh, vas-y. T'es lost. D'accord, qui a décidé de. En plus, a décidé de me dire d'aller me faire foutre. À ce moment-là, genre après que je me sois fait éjecter du jeu. Merci, toi je verrai avec Moll si je peux bien faire le choix de dernière fois. Je peux plus faire. Je sais plus ce que j'avais fait moi. Ah oui, j'avais pris le registre aussi. Pour savoir si on croisait un autre mec. Oh. Ça va direct maintenant le dialogue. Regarde. C'est-à-dire que c'est peut-être pas moi et que c'est quelqu'un d'autre.
C'est bizarre quand même. T'es pas fibré toi, Cursa? Bah, moi j'ai rejoint et. Je sais pas pourquoi ça. Ok, d'accord. J'ai mis ton code, ça tournait dans le vide et ça m'a renvoyé à l'écran. Non, j'ai toujours pas d'option. Non, parce que moi ça m'a fait le moment où Cursa y venait et en fait j'ai eu le message, mais ça l'a pas remis. Tu peux re-rentrer? Ouais, c'est pour ça, je te dis, ça m'a renvoyé dans le menu. Et là, j'ai en attente que l'autre accepte votre demande. Fais annuler et refais là parce que je peux pas accepter ta demande. Ok. Et là? Là, c'est bon. Oui. C'est good. T'as pas tes réponses, là? Non. Je peux rien faire, je peux juste cliquer sur continuer, je peux rien choisir, ça me rend ouf. Essaye d'appuyer sur... c'est quoi que tu voudrais mettre? Pousser là... L'échiquier. Ah oui, pousser discrètement la pièce. C'est le 5, essaye de taper 5 pour voir. Attends. Est-ce que si je fais ça... Je peux pas changer de personnage. Pas en dialogue, non. Là, je vois tes choix, mais. Ça fait rien quand je fais 5. Non, je vois que continuer, c'est trop chiant. Ah, je peux sortir du dialogue. Ah, c'est bon. Ah, non. C'est bug. Ça l'a lancé. Je viens d'arriver. Ça fait 4 sur 10. Hein. Oh putain. Ah, c'est que t'as fait ma passe. J'ai dû récupérer le perso. Oh, par contre, ouais, va falloir que je fasse au clavier parce que la molette de ma souris permet plus d'ajuster la vue. Normalement, c'est bon, je t'ai rendu ton perso. Ouais, d'accord, mais du coup, ça a échoué ce que je voulais faire. Bah, t'as fait 4 sur 10, il y a eu le jet de dés, ça a fait 4 sur 10 et c'est tout. Je sais pas si t'aurais fait un meilleur jet, mais. Ah, bah, moi, ça a carrément tout bloqué par contre dans mon truc. Ouais, bah. J'ai droit à un mur, j'ai perdu tout le dialogue. Ça t'inquiète pas, grave. Je refais le même dialogue que tout à l'heure. Voilà. J'ai fait ça. Moi j'ai fait ça. Voilà. Je cutterai donc je vais. This is no physical ailment. It is a spiritual ma- No idea, I'm afraid. You hear me, don't you, sir? But you're not alone, sir. We're here. No, not till I met Art anyway. This was in. Vous me dites quand je vais essayer de relancer mon dialogue. Oh, vas-y, hein, tu peux. Globalement, les dialogues, vu que j'ai tous pu les voir. Rulin of all people. Pourquoi pleurez-vous? Yes. Ah, Dany a disparu, effectivement. Ok, vas-y, tu peux lancer les dialogues. Ah, t'es allé partir par ailleurs. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up. Cut us up, said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away. But my love, Dennis. How couldn't he be? If they didn't kill him when we ran, they probably will once they get to Moonrise. I just wish I could have said goodbye. Un loup dans l'estomac de gobelin. You really think so? By the gods, I hope you're right. Je sais pas vraiment, mais doit y en avoir au moins quelques-uns en vie. Oui, certainement.
Il replique un petit peu. Avant de manger. Pourquoi il... Vas-y, allez. Bref, alors les gentils. Tu peux lui dire, ouais, ouais, ton mari, il est bien mort, il s'est fait tuer brutalement. On laissera Alou faire les dialogues qu'avec les gens qu'on aime vraiment pas du tout. Franchement, j'adorais ça. Bon, Roland. Oh bah voilà, non. On peut le dire, tes frères et sœurs, ils sont morts. Là, par contre, le jeu en PLS qui détecte plus ma molette de souris centrale. Ah. Oh, il y a un sous-sol, les enfants. Je vous attends pour y rentrer, je suppose. Vous voulez voir Isobel d'abord? Non. Si on ira voir Isobel une fois qu'on aura tout visité. Mm-hmm. Ah. Ok, ben. Vous me dites, je vous attends. They're my responsibility. You go save the world. Or your own ass. Or whatever it is you do. I'll fix this. Stuffy. T'as laissé échapper un énorme soupir. Non, c'est un. Ok. Peut-être ouais, ça passait bizarrement au niveau des. Non, par quel micro parlait. Perception réussie. Il y a des lattes amovibles. Le bagouze, explosion de neige. Attends. J'ai explosion de neige. Vous voyez autre chose? Non, c'est pour savoir si genre jamais c'est pris comme du vol. Ça fait quoi, explosion de neige, du coup? Bon, je pense que c'est assez littéral. Quand le porteur inflige des dégâts de froid, il crée également un cercle de glace de 4,5 mètres autour de là où les cibles. Oh, je veux bien. Comme j'ai rayon de givre, ça pourrait me servir. C'est un anneau? Ouais. Ouais, je peux faire une zone de glace, ça peut être pas mal. Je te l'ai envoyé, mais je sais pas si tu l'as récupéré. Je l'ai, merci. Ça peut être pas mal en vrai. Ah ouais, faut faire des dégâts de glace. Bon, je vais recrocheter le... Passé, mais j'ai fait un jet vraiment plus moche. Sauvegarde pour éviter qu'on se retape tous nos dialogues. Tu m'étonnes. Bah du coup, ouais... Bah c'est plus vite que tout à l'heure. Donc. Ouais. J'ai juste perdu l'habileté à déplacer ma caméra, moi, mais je peux le faire avec les touches du clavier. Ok. Est-ce qu'on va là-haut? Bah si tout le monde est prêt, qu'on a visité un peu les alentours. Si vous voulez récupérer... Bah je veux bien, sauf si vous voulez visiter le sous-sol avant. Oh. Ok. J'attends j'arrive. Que ça il arrive, je me mets devant. Ouais, j'arrive. C'est juste le jeu qui galère à savoir si je veux être au sous-sol, à l'étage ou au rez-de-chaussée. Un jeu, bah, même à caméra. Alors, je te laisserai faire les dialogues. Hein. Like. Oui. C'est jamais, j'ai pas envie de retomber sur un moment où genre j'ai plus les dialogues. C'est bon. C'est parti. Hein. Nous sommes tous de go. Oui. J'ouvre les portes. Alors faites attention ici. Faites du vol. Oui, je vois. Journal intime d'Isobel. Je crois qu'elle va pas trop aimer, effectivement. Oui. Il semble que tu peux l'ouvrir, faut juste pas le prendre. Ah. C'est quand même déplacé. Elle est où, par contre? Elle est derrière la porte. La porte, c'est juste que je sauvegarde. Ah, elle est encore... D'accord, elle est encore... Yes. Ah oui, oh putain, je la vois à travers la porte.
Relancer le... Est-ce que... Oh, tu peux cliquer dessus. Et non, je savais plus si c'était l'ouverture de la porte qui lançait la... Ah. C'est ce qui m'attend, mais... Moi aussi, je me souviens très bien. Ça m'a traumatisé. Je me souviens que j'ai soufflé. Oh. Ah, c'est classe. Hein. Quand même. 100%, je la veux dans ma team à la place de Shadow Heart. Avoir une autre prêtresse, s'il vous plaît. Par contre, c'est quand même vraiment emmerdé si elle a dû faire ça pixel par pixel. C'est clair. Ah bah, jamais dit que c'était facile. Hein. Les paquets, tout ça. C'est quoi le putain de truc de plume qui... Alors c'est vrai que si tu as, enfin si vous avez Shadow Heart avec vous pendant ce dialogue là. Oui, c'est très intéressant. C'est assez rigolo. Ah. Ça se passe bien, mais du coup elle ne se... se cache pas de dire qu'elle aime pas trop les gens de ses lunettes. Faut pas leur faire confiance. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Oui. Wow. Allô, Mora. Non, c'est comment... Perfect. Comment il sait le sort de lumière dans Harry Potter? Lumos Maxima. Which will get you closer to the towers. It won't be enough to protect you against the areas of utter darkness though, where the curse is strongest. This lantern should though. Oh, ça brille. Catherick is a frightening man. But you have something he doesn't. D'ailleurs, elle l'a sorti de son cul, on est d'accord. Il n'y avait pas de lumière avant. Il y a tout un cirque d'Hermione. Soyez attentifs. Oh, bouclier de la lune. Oh, pourquoi t'es encore en dialogue? Parce qu'on est encore en dialogue. Ouais, mais on se fait kicker nous. Ah, il y a un gros ouais, monsieur avec des têche. Ailes qui est là. Ouais, c'est bon. Ouh! Marcus. Ah mais j'ai vu ses ailes dans la cinématique. Ah, bah, bien sûr, un connard du point enflammé. Bah, mais pourquoi il a des ailes? Oh, il était du point enflammé, mais il n'y est plus vraiment. Ah. Je suis trop le putain. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. Oh, about no. Oui, elle apparemment. Ah putain, la vache. On tentait un peu la sagesse quand même. Ah non, non, ne négocie pas avec les terroristes. Le 6 qui est un 6. Ouais, le 6. C'est pas une question de négocier, c'est que tu sondes pour avoir des infos. Rien n'est plus important que de ramener la fille vivante. What's going on? If you have something to say, say it. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute? Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. J'ai entendu ce cri tellement de fois. Et moi aussi. Oh bordel de merde! C'est quoi ce log de J'ai raté mon jet de constitution. Ouais, moi aussi. Oh, j'ai envie de crever. Ah! Au revoir, Mol. Oh, sa mère! Attends, quoi?
Ah ouais, j'ai eu peur, j'avais cru que... Alors, avant Halo que tu agisses, quand même, que vous ayez les infos, il y a donc des horreurs ailées qui sont avec lui, un peu partout dans la bagarre. Et il y a surtout une chose qui va mettre fin au combat tout de suite, c'est si Isobel elle tombe à 0 point de vie, ça arrête le combat. Oui. Ah oui. Voilà. Donc il faut qu'on protège Isobel à la fois des horreurs ailées et de Marcus qui n'est pas un cadeau. Elle a fait un travail parfait, voilà. Je tiens juste à dire, incroyable. Bravo. Oui. Le fait de nommer le premier tour de Marcus, c'est une dinguerie. C'est une très bonne nouvelle. On va tirer 33 PV en plus. C'est quoi mes armes, moi? Est-ce que quelque... Faut le défoncer, le salaud. Moi-même, seul, en fait. Faut lui lâcher la sauce sur la gueule. Moi, je vais le taper à la dague. Oh, mais je suis avant-dernier à jouer. Oh là là là. Il y a deux horreurs ailées quand même qui jouent avant moi, mais c'est celle-ci du bas. Elle est plus dangereuse. Oh, Jaira, par contre, elle va se faire défoncer, je crois. Hein. Non, t'inquiète, non. Mais des toxines. Jaira sur ce combat, c'est bien la seule qui se fait. Oh la vache! Double crit! Oh sa mère! 40 points de dégâts le crit au corps à corps. Oh, il a raté son jet de sauvegarde, tu le comptes à toxine en plus. Oui. Toxine simple, ça veut dire qu'il a un désavantage, c'est ça? Mais... Ah non, poison! Non, il est en poison. Vous êtes légendaire! Mais en fait, la dague que j'ai là, c'est pas fini, de mon profond, il me permet de réduire de 1 le résultat que j'ai besoin pour faire des coups critiques. Ah ouais. Après j'ai la lame des ombres qui me donne des avantages sur les coups d'attaque. Sachant que c'est une arme plus 2 de base en enchantement. Oh mais j'avais peur de ce combat, mais en fait ça va être tranquille. Ah bah par contre, je suis d'accord avec toi Cyrdan, moi la première fois que j'ai recommencé très très souvent ce combat. Wow. Mais pas tellement parce que les adversaires sont difficiles à tuer. Ah mais non, c'est juste parce que elle tombe à 0 point de vie, genre en 2, oui, quoi. Bah les horreurs, elle arrive recommencé... de grêle. J'ai dû recommencer ce combat genre 10-12 fois, quoi. C'est Petite question, dans la nouvelle mise à jour, j'ai vu que je pouvais toggle le fait de bump avec mon explosion occulte. Ah, c'est pas mal, ça. Je fais ça comment, en fait? Parce que j'ai pas envie de le bump vu qu'il est à côté de tout le monde. Je sais pas, je pas du tout joué l'explosion occulte. Ah, je crois que c'est passif. Ah oui, voilà, décharge répulsive, plus répulsive, du coup. Lui, ses PV supplémentaires qu'on fondu. Ah oui, c'est une arrivée, mais il est bientôt mort, quoi. Enfin... Après, faut quand même se méfier, les aurores ailées, elles ont beaucoup de déplacements. Ouais. Du coup, elles peuvent vite arriver sur nous. Même si nos copains, Non mais c'est trop craqué. Mais attends, tu lui as mis... Vous êtes trop craqué. Beaucoup. Tu lui as mis combien de dégâts là? 5, 7... Et en fait j'ai oublié mon... Tu sais que j'ai oublié mon maléfice sur les preuves des charges occultes. 16, 10, 1, 7, 16, 5, 10, 1... 7, 5. Non mais c'est n'importe quoi. Bah, les horreurs ailées seront plus faciles à tuer parce qu'elles ont pas beaucoup de points de vie. C'est vraiment lui qui a un bon tank et qui tape fort. Je me mets en shield physique contre l'horreur ailée devant la porte. Et après, si on veut être un peu plus subtil, effectivement, on essaie de protéger les ménestrels et les tieflins. Ouais, genre Roland ou tout ça, parce que Roland, il pourra pas trop sauver ses... Oh putain, Isobel, elle s'est pris deux crits. Oui, on en parle. Elle est weak as fuck. Et elle est paralysée, là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on, faut qu'on tue tout ce qui bouge. Ouais, si vous arrivez à la tuer, j'ai une potion de soin énorme que je peux peut-être lui jeter à la gueule. Faut la soigner surtout. Ah t'inquiète. Oui, mais c'est ça. Ah oui, vu qu'elle est paralysée, elle prend des crits obligés. Elle peut pas en fait esquiver. Pas trop fort l'imposition des mains. Smite. Ah non, bouclier de foi. Oh si. Cyrdan, si t'as le temps après la partie, je te raconterai du coup le combat que j'ai fait là, que je te racontais en MP. Yep. Et non. Je t'expliquerai aussi en tant que prêtre ce qui m'a sauvé un peu la vie d'ailleurs. Ok. Vas-y, Alou. Allez, Alou. Tu vas les diviser en deux. Résistance au poison. Ok. Eh ben putain.
pas regarder. Oui, non, on est loin du niveau 7. Oui, ah bah, on avait tout juste oui, level up dans ça. Bord le ménestrel. Oh, bah, il a qu'une seule attaque à son level. Ils sont. Ouais, il est niveau 6, mais des fois ils crament la rage ou ils ont des ralentissements. Allez hop. Tu le touches, mais si tu veux, tu peux faire un crit. Je fais déjà des dégâts monstrueux. J'arrive aussi à faire quand même. Très vite. Bah, surtout le parchemin de tempête de grêle qu'elle a balancé au début. Ouais, elle est pas la demande morte. Oh. Oh non, vraiment. Non, l'autre. Et combien sont jets là? Ah, bah c'est réussi. Pas sauver tout le monde. Le curseur, tu peux l'achever l'horreur. Donc, tu peux t'avancer vers la porte, il y en a d'autres à tuer. Ouais, je vais voir si j'ai déjà vision sur une autre horreur là où je suis. Absolument pas. On est loin. Tu la tues. Ouais. Même qui a glissé. Ok, je regarde si j'ai un sort que je peux balancer qui est hors de vue en fait. Ça a pas l'air. T'as une AOE? T'as pas d'AOE? Si, mais comme j'ai déjà utilisé ma décharge occulte. Ok. Bon bah tant pis. Boule de feu, ça viendra que au niveau suivant. J'ai des niveaux de démoniste avant d'avoir des niveaux de magicien. La boule de feu, c'est vraiment le sort que j'ai plus utilisé là depuis. Mais contrairement à Donjon Dragon, tu peux double sort par tour. Tu peux lancer deux boules de feu par tour. Oui, ça se fait assez facilement. Normalement. Alors que dans Donjon Dragon, t'as pas le droit. Le reste des horreurs va mourir assez vite en vrai. Je sais pas si je vais avoir le temps de. Il y a une horreur en face nous. Bon. De l'autre côté. En vrai, ça va si on s'en sort qu'avec un seul mort. La dernière, elle est à l'entrée de l'auberge. Ouais, non, mais globalement. Tu peux réussir, enfin, si t'es, les alliés ont des bons jets de dés, t'arrives à sauver tout le monde. Oh, c'est pour une rencontre qui avait l'air difficile, on s'en est bien sorti. Il est pile hors range. Ouais, en vrai, le problème de Isobel, c'est qu'elle a genre 50 points de vie, je crois. Elle a combien ? Ouais, elle a 52 points de vie. Marcus, il tape deux fois par tour. Les horreurs ailées, elles font quand même pas loin de 10-15 points de dégâts aussi. Et du coup, elle se fait très très vite encercler par 3-4 trucs quand tu les one-shot pas. Et Marcus, il est vraiment relou. Alors, pour le coup, Alou, elle nous aura carry largement le game. Tu es une carrieuse. D'ailleurs, c'est quoi ton épée là qui fait des dégâts mentaux C'est une épée qu'on a chopée en tuant un git. Ah oui, le capitaine. Vas-y. En face de toi, de l'autre côté de la. Ah oui. Il y en a un là et l'autre qui est à l'entrée en bas. Alors, l'autre à l'entrée, elle va avoir un peu de mal. Hein. ouais, non, il est même pas du tout ça. En guichet, en qui d'ailleurs, tu peux pas faire des méga sauts si, mais j'ai pas le. Ah. Bonjour. Quand tu pars rage du tigre là en Gitianki, ça t'as la portée de saut encore plus développée. Tu étais sur le Mars ou la Lune quoi. T'as pas un item à lancer au pire? Ah oui. C'est bien ce que je me disais. Non, c'est juste la projection. Non, t'as acheté quoi? Ouais. Non, j'ai jeté une épée dans la gueule. Ouais. Ah. Une projection improvisée. Projections enragées. C'est ça, ouais, comme c'est une berserk. C'est pas un objet de ton inventaire que t'as acheté? Si. Si. Mais c'est spécial berserk en fait. C'est un truc au cas où. Oh non, Bagheera l'a perdu à Danse avec les Stars Internet. Oh non. C'est Natou qui a gagné en face à face contre elle. Fumé, hein. Ça dégoûte. C'est encore en vie ce truc? Ouais, il a la moitié.
D'accord. Ok, d'accord. Ah, la transformation en panthère. Ouais. Je sais que c'était une droïde, mais je me souvenais plus cette transformation en panthère. Si, si, elle est... Non, t'es là où toi? Elle est métamorphe. elle est métamorphe, Jaïr. Enfin, tous les druides peuvent être métamorphes. Personnage à soigner. À soigner Isobel. A remis la moitié de sa vie, Isobel. J'ai même pas pu taper quelqu'un. Alors attends, il est où le... Il est en dessous, il est vraiment... Est-ce que ça sert que je crame des sorts sur lui en vrai? Je n'ai même pas pu infliger de vengeance divine, je suis dégoûté. Hein? Je sais même pas si tu peux le toucher. Si si, j'ai projectile magique, je peux le toucher. Bon, apparemment. Vas-y, au projectile magique. Je veux dire à mes parents de regarder la prochaine sur TF1. Oh putain. J'ai fait un projectile magique de niveau 1. Je sais pas ce que j'ai foutu dans la gueule. T'as un paquet de dégâts résiduels, de foudre, de force, de glace, là. Ça... Et t'as tes charges de foudre en plus qui génèrent quand même pas mal de dégâts. Ah oui, effectivement, mais mon dieu. J'ai envoyé un projectile magique niveau 1, le mec il l'a senti passer. Ah bah tiens. J'ai vite fait le cadavre. De Marcus. Et le corps de Marcus. Qu'est-ce qu'il a? Bah, ils disent qu'il y a un truc illicite. Ah, mais dedans. Non, mais c'est parce qu'on a. Dialogue. Oui, je suis dedans. Ils nous ont suivi depuis le début. Ils nous ont suivi toute la temps. Et ce n'était pas une attaque random. Vous êtes le target, Isabel. Ils savent comment important vous êtes. Mais ils ne savent pas de vous. Catherick va frapper de nouveau. Nous devons vous frapper d'abord. Discover the source of his invulnerability. Ouais. Make him mortal so we can make him. Ce qui est rigolo, ils ont fait d'ailleurs manier des cimetières à Jaïra, alors que normalement c'est plutôt une manieuse de bâton et de fronde. Bah oui, c'est plus une druide en fait. Bah elle est pas tellement orientée métamorphe d'ailleurs dans les premiers jeux. Bah oui, c'est plus en fait la soigneuse du groupe. Vraiment. Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you. Ça me fait penser que si tu fais à la fois la montagne et à la fois le souterrain avant d'arriver ici. Je pense que tu peux arriver avec ton niveau 7 un peu avancé. De quoi? J'ai pas vu les options de dialogue. J'ai pas eu le temps de voir non plus. Il y en a une qui dit que c'est chiant à la longue. Ah. Toujours la même rengaine et... Oui, il a sa massue plus 1. L'anneau de flamme... Oh, l'anneau des flammes, il me... Invisibilité floue là? Je crois que les horreurs ont jamais rien sur elle. Ou alors parfois des composants alchimiques. Attends, je vais récupérer mon épée que j'ai lancée sur la bestiole, moi elle est où? Bah là où t'as lancé l'épée. Kiki. Pourquoi ton personnage il crie à l'aide? Okay. Le tien, un Black. Je suis sûr que c'est pas l'enfant qui est... Bah c'est... Non, c'est... Ah oui, je sais pas. Ça vient de ton perso. Trop bizarre. Je sais pas, d'habitude c'est les petits tieflins, là, les enfants tieflins. Ouais. On reparle. Oui. Descendre en bas pour l'instant. Ah, t'es en dialogue Ouais. C'est bien, Mathis. De quoi? Les trois enfants tieflins disent que Moll il a été kidnappé et du coup qu'ils parlent d'aller le chercher. Et Mathis dit que non, il faut pas, c'est pas à eux d'y aller. Oui. Le paladin s'est levé. Il s'est levé. Bah écoute, il a quoi à dire sur l'attaque Roland?
Mol would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mol is family. Bring her back, please. Promis les enfants, promis. Je n'ai servi à rien dans ce combat, mais promis. Qu'est-ce que tu dis? Je rigole. Roland qui est encore en train de boire son dépresso. T'as engagé le dialogue avec Roland? Ouais, il dit juste ouais, bon, on a même pas besoin de sortir pour qu'ils viennent nous tuer. Je fais une petite sauvegarde. Ouais. On a pas vraiment pris de dégâts. Hein. Oulala, bon, bah non. Vous les avez défoncés. Ah oui, littéralement, on les a défoncés. Ah ouais, c'était dingue. Est-ce que j'ai des littéralement. Les moustiques qui t'arrivent dessus pendant un barbecue. Ça va être le bug le plus chiant qu'on ait jamais eu là. Vraiment, c'est ton personnage qui hurle à l'aide hein, avec une voix de gamine. Ouais, c'est marrant. Ouf. Hey, Cursa. Oui. Tu veux aller parler à la vache? Ouais, why not? Je sais qu'elle était un peu bizarre. J'avais essayé de lui parler et j'ai. Du lait, j'ai parlé à l'intendante pour vendre des trucs. Par contre, ma boisson de communication avec les animaux, elle a expiré alors qu'il y avait avant le prochain repos court. D'accord. On l'a pas fait parce qu'on a rechargé. Mais attends alors. Ah oui, potion de communication, c'est juste qu'elle était enterrée. Je vais parler au veau. Tu veux quoi la vache? Oui, c'est pas grave. Que tout le monde soit là. Ah. J'arrive. Toujours aussi incapable. Je me souviens de toi. J'ai une explication. Si. Ah, le dialogue est là. Persuasion. Pas de centre nœud, tu en dis trop ou pas. C'est là où j'ai le plus d'avantages. Hein. Je vais ajouter quoi? Oh, ami. Je peux lui lancer le sort ami. 14 ans. Allez. Mais pourquoi je... Mais pourquoi mon sort ami il s'est pas lancé? Je sais pas. J'ai cliqué pour le lancer. Tu veux relancer les dés. Ouais. Mais je pouvais lancer ami et plus maintenant. Bizarre. Oh, ça va. 19, 25. Oui. Well, come close, your mind to mine. Ok, d'accord. J'ai jamais vu ça. Hein. Ah, ah. C'est pas très Peggy tout ça. Are you satisfied? Ce sont les pensées les moins bovines que j'ai jamais vues. Oui. Keep quiet, and you won't have to find out. Je crois que ça trigger un combat, hein, le premier choix. Et donc? Je... Ah bon, moi je réponds RP. Hein. Mais sérieux? Ah non. T'as vu ce qu'il a vu ce bœuf? Je suis pas chaud moi. Hein. T'as découvert ce que c'était toi, Sirbad? Ah oui. Après, il a pas l'air du moment que tu respectes ses décisions. Ah non, mais je pense qu'on va peut-être le revoir au chapitre 3. Hein. En vrai. Vu qu'on l'a vu au chapitre 1, 2. Ouais. Non, mais moi je suis juste pour respecter sa vie privée qui a l'air dérangeante. C'est nul. C'était nul. Oh, je suis sûr il va nous aider. Je sais, c'est pour ça, c'est nul. Je suis sûr il va nous aider, t'inquiète. C'est le protagoniste qui s'est fait isekai, si ça se trouve.
Je vais rien dire. Bon. Est-ce qu'on quitte et qu'on part explorer les terres sombres? Why not? Je vais juste voir le marchand ce qu'il avait. Je crois qu'il avait un truc que je voulais à un moment. Ah? Marchand? Ouais. Gros live. Ouais, c'est trop chiant. Moi j'entends rien. Hein. Help me! Would you help me, please? Ouais, je peux rien faire. En fait, c'est même pas mon dialogue à moi du coup. Bah non, c'est trop chelou, c'est vraiment. Profite, je vais faire un petit right back.